que vos quartiers vous satisfont pleinement. Capitaine, maintenant que vous faites partie de Constellation, je suis à votre service, vu que vous vous retrouverez dans... Il y a eu un pic d'énergie, mais il s'est stabilisé. Il y a du nouveau ? Non, comme les autres fois. On observe une émission massive à l'ajout de l'artefact, puis tout s'harmonise, comme s'il attendait les autres. C'est de la pure spéculation. Mais vous avez sans doute raison. Il nous faut les autres. Tenez, vous l'avez bien mérité. Bienvenue dans Constellation, en tant que membre à part entière cette fois. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Tous ensemble. À ce propos, ça vous dirait qu'on continue à voyager ensemble ? Je ne compte pas rester assise derrière mon bureau. Ces artefacts ouvrent un nouveau chapitre de Constellation et je compte bien l'écrire. Et j'ai aussi besoin de vous. Vous obtenez des résultats, mais j'ai besoin que quelqu'un comme vous surveille mes arrières. Bien, nous avons plusieurs pistes à étudier. Tout d'abord, Samco a monté une expédition. Il vise la Confédération Liber Astra et il la connaît comme sa poche. Ensuite, il y a aussi notre station Iris. Il serait temps que vous rencontriez Vladimir. Il passe sa vie à recenser des anomalies. Et le meilleur pour la fin... Noël, on a des nouvelles de Barrett ? Un coursier d'Argos Extractor est venu nous dire qu'il fermait l'opération sur Vectera. Mais c'est tout, rien de plus. Je n'aime pas ça du tout. Nous ferions bien d'y aller pour voir Barrett en personne. Il est temps d'y aller ? On s'est toujours considérés comme des explorateurs, mais là... Constellation n'a pas intégré de nouveaux membres depuis longtemps. Je l'imagine déjà. Sois pas trop intrusive. C'est donc vous la dernière recrue à tirer au sein de notre petite famille dysfonctionnelle. Waouh ! Je connais quelques-unes des faces cachées des lunes d'Aquila, mais si vous vous attendez à un cours d'histoire en bonne et due forme, je vais m'endormir avant vous. Un conseil, ne le lancez pas là-dessus. Au fait, je m'appelle Korako. Bonjour ! Je suis toujours ravie de rencontrer des gens assez courageux pour piloter ce vaisseau. Je vois qu'on a affaire à une experte en vaisseau. Eh, fais pas peur à notre nouvelle recrue. C'est un bon vaisseau, vraiment. Maintenant, parlons affaires. Sarah vous a parlé de l'expédition ? Effectivement, c'est là que nous allons. Nous partons tous les trois pour Aquila, toute première planète colonisée par Liber Astra et berceau d'Aquila City, capitale de la Confédération. On atterrira au port spatial de la ville, mais nous visons les grandes étendues. C'est un territoire rude, qui a vu naître de nombreuses légendes. Et j'ai une piste, une curieuse légende qui m'a immédiatement fait penser à un artefact. Parfait. On vous retrouve à bord de votre vaisseau. Je vous mettrai au parfum là-bas. Quand on aura atterri sur Aquila, on n'aura pas le temps de chômer. Alors si vous voulez faire un peu de tourisme en attendant, Cora et moi serons des passagers modèles. La chute a été longue. C'est pas si hard, mais je me rends compte que mon réservoir fuit. Et tu sais c'est quoi l'endroit le plus proche pour atterrir ? Attends une seconde. T'es quand même pas en train de me dire... Tollymant, le paradis des orimorphes. Je me pose, j'attrape mon plus gros flingue et je sors du vaisseau. Tu te fous de moi ? Ça
ça s'était vraiment passé, tu serais pas là. T'arrives d'avoir l'impression que rien n'a de sens. Vous, capitaine. Personne ne vous a jamais dit que vous étiez au firmament des explorateurs des systèmes occupés. Eh bien, quelqu'un de vrai. Très bien, Sam. Puisqu'on a un peu de temps, le moment est venu de régler notre petit parti. Sarah, pas encore. Je vous dis, ça sert à rien de vouloir revenir là-dessus. Donc vous persistez à dire au même. Meilleur que Jack Jane, meilleur que Shannon Smash, meilleur que tout le monde de loin. J'avais dû vous cogner la tête contre une console pendant la dernière interprétation. Personne de son esprit ne dirait une chose pareille. Écoutez, si vous voulez jeter votre argent par les fenêtres, vous serez votre vie délestée. Sinon, n'assistez pas. Un jour, il faudra qu'on mette votre théorie à l'épreuve. J'espère que vous êtes prêts à être sérieusement déçus.
On dirait que la situation s'est dégradée depuis votre dernier passage. Vous êtes de retour ? Argos s'est manifestement désengagé de cette opération. Prenez pas ce petit air contrit. Je pensais que la situation m'avait échappé, mais non. C'était encore pire que ça. D'autres pirates se sont pointés en votre absence. On n'a pas eu la même chance. Calvert, Troy, une partie des nouveaux poudreux. Ils n'ont pas survécu. Effectivement. On pense qu'en étant strict, dans tous les cas, je commence à m'y... Pas vraiment. Barrett, la seconde d'après, deux des pires, ils le chopent et demandent à... Et c'est là qu'ils... J'ai rien entendu. Et c'est la dernière fois que je les ai... Ils ont pu s'astroporter, non. Je vous empêcherai pas. J'ai... Maintenant, une station en orbite au-dessus de nos têtes. C'est là que nous effectuons toutes nos analyses de l'espace lointain. Vladimir dirige la... Bye bye.